Bon, je vais retourner dans l'Animus et suivre la piste que nous a laissée Hérodote pour retrouver le bâton. Mais il y a tellement d'éventualités, et donc de choix. Impossible de savoir quels seront les bons. Toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie, tu ferais quoi? Évaluer une chose à la fois, observer avant d'agir, ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches. À toi de voir. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je le signalerai. On dirait échelon 3. À moins que ce soit 4. Dommage d'avoir dû partir. On n'a pas assez bu de caribou. Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'Animus? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Oui. Je suis prête à retrouver Cassandra. Très bien. Je surveille tes arrières. Ma lance a davantage de force. Le culte n'a aucune chance. Voilà qui va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici bien avant nous.
Je me demande si Léonidas connaissait cet endroit. Il faut qu'on parle. Tu es facile à trouver. Tu m'as suivi. Tout va bien ? Alexios, tu es vivant. Ne me touche pas. Allons, petit frère. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme de ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi ? L'artefact a montré la vérité. Nous sommes frères et sœurs, et nous avons quitté Sparte en vie. Il m'a montré la vérité, oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne! Si c'est ce que tu crois, Alexios, tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas une menteuse comme toi. Et ne m'appelle pas Alexios. D'accord, Deimos. Mais lui, je ne le connais pas. C'est un demi-dieu. Vénéré et craint par le culte, et par tout le monde grec. Dans ce cas, pourquoi obéir au culte? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est moi qui le dirige. Alors prends une décision par toi-même. Retrouvons notre mère. Je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Retrouver Myrine, notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas l'avis de tes amis. Elle est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle intéresse. S'il est vrai que le culte nous cherche, dis-lui qu'il peut oublier Nikolaos. Il est introuvable. Je le sais. Je l'ai cherché moi-même. Si j'ai pu trouver l'autre enfant perdu de Nikolaos, alors je peux le trouver. Et quand je le ferai, il regrettera de ne pas avoir été jeté de cette montagne. Je me moque de ce que tu penses, et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh, tu penses que l'amitié résout tout? Qu'on devrait chercher notre mère, comme des enfants perdus? Tu es trop faible. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité? Oublie tes illusions. Le culte a un projet, et ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Enlever ta propre mère ne lui suffit pas. Ce n'est pas un enlèvement, c'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ils paient pour cette erreur. Comme moi. Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès, et aux siens, que leur fin approche.
Le culte a épargné Myrine, et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant, mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux. Alors il pense que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants. Ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. On s'est quand même retrouvé, mon frère. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Deimos! Oh, Malaka! Hérodote ne va jamais le croire. Il faut que je lui dise ce qui s'est passé. Alors, la légende était vraie? Était-ce magnifique? Que t'est-il arrivé? Et ta lance? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact, là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi, et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Cassandra, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens. Enfoui. Dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action, il me l'a dit. Il va s'en prendre à nous. Ma famille, Périclès. Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à l'Apnix. Nous serons certains d'y trouver Périclès.